Etienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Yokobwe dans le cadre d'un nouveau focus citoyen qui porte spécifiquement sur les abus du corps préfectoral sur les employés qui sont mis à leur disposition. Nous sommes à Yokobwe parce que c'est à Yokobwe qu'il y a eu le cas le plus grave que vous-même vous allez découvrir tout à l'heure. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est important de respecter la dignité humaine des travailleurs, surtout quand on est du corps préfectoral et qu'on est censé être une autorité qui représente le chef de l'État et qui devrait donner l'exemple dans le cadre du respect de nos lois. Et je ne crois pas que nos lois autorisent que nous portions atteinte à l'intégrité physique de nos collaborateurs. Donc nous vous invitons à suivre les témoignages et ensuite nous allons en tirer les conclusions. Je suis le camarade Yves Désiré Séry, secrétaire général du syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. C'est le cas de maltraitance que nous vivons en longueur de temps, en longueur de journée. Certains cachent, les plus courageux nous saisissent pour témoigner cela. Alors, nous sommes aujourd'hui même à Yokobwe, du nom de Sanludi Salif, ici à ma droite. C'est bastonné. Voilà, par les dozo, sur l'ordre du sous-préfet Kone Mustapha à l'époque. Et il n'y a pas que ce cas, il y en a plusieurs. Il y a un sous-préfet qui a giflé son chef de cabinet en public dans un règlement de litige à Kwakobo. Il y a aussi le préfet, l'actuel préfet d'Aboville, préfet de région de l'Agnébi Tiassa, qui a porté main à son jardinier. Et il y a même un genre de maison qui est décédé à la résidence du sous-préfet de Béthier. Que les cas sont restés dans les tiroirs. Voilà. Donc je voulais, sans plus tarder, donner la parole à la victime. Je me nomme Sanludi Salif. Depuis 2007, je suis à cette résidence où s'est trouvé, où le sous-préfet m'a frappé. Bon, j'étais là bien avant que le premier sous-préfet arrive. C'est-à-dire Guy Chorodé, le premier sous-préfet. Bon, malheureusement, lui, bon, deux ans, il n'a pas eu longue vie. Bon, après lui, il y a Vivelle Dibé qui est venue. Lui, elle a fait 8 ans que j'ai travaillé avec lui, elle, sans problème. Après son départ, il y a maintenant Kone Mustapha qui est arrivé. Je crois bien qu'il a fait peut-être un an, trois mois comme ça. Donc on était là dans le mois de janvier 2020 là. Voilà, c'est dans le mois de janvier 2020 là que on a fini de fêter janvier. Quand on a fini de fêter, le 1er janvier, en tout cas moi je ne devais pas aller au travail parce que moi je sortais un vendredi pour aller à la mosquée. Donc, je ne devais pas aller travailler le mercredi, parce qu'il était absent pendant 14 jours. Je l'ai dit, il est quitté le 4 janvier à Yokobo ici. Il allait à Bidia, il est revenu le 14 janvier. Et le 14 janvier, dès qu'il est venu, bon, bien avant ça, il y a des choses qui s'est passé, moi je n'ai rien compris. Parce qu'il a dit que quand je suis arrivé, le 2 janvier, le 1er janvier, on a travaillé ensemble là. Et puis il m'a laissé le soir, puis il est rentré là où il est revenu le 2 janvier. Le 2 janvier, je suis venu le matin. Et bon, c'est ainsi comme ça qu'il y a les consignes qui étaient données par les gardiens. Qu'il ne faut pas rentrer dans la maison, il ne faut pas boire mon eau, il faut choisir ton lit pour s'asseoir, il ne faut pas rentrer. Si j'ai besoin de toi, je vais t'appeler. Bon, on a resté comme ça, je vois. Ça, c'était le 2 janvier. Ah oh, ouais, le 2 janvier 2020. Voilà, 2 janvier 2020. Il a dit au gardien de te dire voilà, oui. Que tu prends ta chaise, tu t'assois quelque part. Tu peux rentrer dans sa maison. Si lui-même il a besoin de toi, il va m'appeler. Tu vas t'appeler puis tu viens. Oui, je vais. Ok. Voilà. C'est comme ça. Donc, on est resté dans ça, je vois, c'est le 4 janvier, il est parti à Abidjan. Il est revenu le 14 soir. Le 14 soir, il est arrivé. Et puis bon, le 15 matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Ouais. Bon, je suis arrivé. Bon, j'étais là, j'ai fait mon travail comme d'habitude, quoi.
bon, aller chercher les pains. Bon, d'abord, pour ce qu'il a dit là, il me prenait le pain à la boulangerie, il nous donnait 6 pains. Et même, il m'a dit, non, faut pas, tu vas manger pain, pain là. Ça va prendre, mais tu viens partager, mais toi, tu ne dois pas manger. C'est comme ça, il a laissé le consigne. Pendant que lui-même l'habitait. Voilà, c'est comme ça, bon, je suis parti, j'ai pris pain, je suis venu, bon, j'ai partagé, et puis, je suis là. Lui-même, il est sorti. Il avait un sachet. Dans le sachet, il y avait le purisoir dedans. Et il y avait un produit. Bon, le produit, aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi. Et il y a les, il a fait venir 5 dozos, 4 militaires. Et lui-même, après, il a dit à son gardien d'allumer le four de charbon, quoi. Il est sorti, il a coupé les fers de sainte, là, pour mettre à vide. Et ça, il a coupé. Il a donné gagnant d'aller mettre ça dans le feu. Ils ont allumé ça. Lui-même m'a appelé. Donc, je suis parti. Il a pris tous mes potables. Jusqu'à présent, même, je n'ai pas vu ça. Les deux potables. Et puis maintenant, bon, il m'a dit de me déshabiller. Je me suis déshabillé. J'ai enlevé habit. Parce que c'est pour laisser pantalon. Mais quand j'ai enlevé pantalon, il dit d'enlever tout de tout. Maintenant, il a assis devant moi. Il a pris son portable, il se met à filmer, et puis il me demande tout ce que je vais te dire là. L'intérêt d'accepter. Sinon, moi, tu sais que moi je suis militaire. Si tu n'as pas accepté ce que j'ai dit là, tu vas voir ce que je vais te faire. Je ne peux pas mentir aussi. Première question qu'il m'a posée là, il m'a dit, est-ce que. Toi, tu sais que je sais que tu es poussé avec ma femme. Voilà la première question. Il dit, ah, il n'aime pas. Bon, ça là, c'est trop costaud. Moi, j'ai poussé avec votre femme. Il dit, tu es un menteur. Tu es un voleur. Tu voles mon argent. Bon, je ne rentre pas dans ta chambre. Et ta femme même, derrière même, ta femme n'est pas ici. La femme là, elle veut toujours, nous l'appelle maman, maman, maman. Elle, bon. Comment tu dis que tu vas cousiner avec la femme de ton patron, maman, et puis derrière même elle n'est pas là. Là, est-ce que c'est possible? C'est dangereux ça. Bon, il a dit à Dozo de me frapper. D'abord, il a enlevé un liquide dans le sachet là. Il m'a donné, il m'a forcé, je bu ça. Là, je bu le liquide. Et puis, il m'a dit de me pousser. Les Dozo ont commencé à me frapper. Il a positionné chaque la cour qui est là, il a positionné tous les militaires, les deux autres, chaque entrée de la cour. Pour ne pas que quelqu'un rentre, quoi. C'est comme ça qu'il a fait. Donc les deux autres m'ont frappé. Donc, arrivé un moment, il a enlevé, comment la purisoire. Il voulait charger des produits dedans. Il a dit à gardien d'envoyer les produits qu'il a gardés là. Et pour lui, gardien a gardé, il a dit, gardien n'a qu'à envoyer ça. Donc, quand j'ai vu plusieurs, mon cœur est coupé. Donc, j'ai tenté de fuir pour sauter la clôture qui est là. En ce moment, c'était pas monté comme ça, c'était monté comme ça. Aujourd'hui, là, je suis mort. Sur pied, là, parce qu'en ce moment, la clôture, c'était à 5 rangées. Donc, quand j'ai sauté la clôture, je suis tombé là. Malheureusement, il y avait un militaire qui était là. Lui, il a mis son pied sur moi. C'était tout nu. J'étais tout nu, il a mis son pied sur moi. Allez, vas-y. Hein? Voilà. J'étais tout nu, il a mis son pied sur moi. Il m'a pris, il a remis dedans. C'est comme ça, les deux autres, ils avaient préparé leur corde. Ils ont pris le corde, maintenant, ils m'ont attaché par derrière. Comme tu es libre, là, voilà pourquoi tu fuis. Il n'a pas dû me faire pousser. Il a chargé les produits. Il a donné ça à un dozo de me puriser. Il m'a purisé, il était poussé là. Lui-même, fer qu'il a mis dans le feu là, il allait enlever ça, il est venu, il a brûlé mes testicules avec. C'est comme ça qu'il était poussé. Arrivé au moment, lui-même, il est venu, maintenant, c'est lui-même qui me botte avec ses pieds, il marche sur moi, il me botte, frappe. Il a fait comme ça. Soit attaché. Les deux se sont entourés. Et moi, ma faute là est où? Bon, c'est comme ça. J'étais là. Il y a. Le patron de Dozo, la chef malien, la Sina Konate, c'est lui qui est rentré, et puis il a dit au Dozo, d'enlever le poste. C'est ainsi comme ça, que le président de collectif du chef de ce village-là, maman, comment il s'appelle? Mene. Voilà. C'est lui, il est rentré, il m'a pris, et puis il a envoyé ce maman-là.
C'est comme ça qu'il m'a envoyé là-bas. Et puis lui-même, il a suivi pour venir. Ma maman a dit, bon, il faut demander à son préfet, qu'est-ce que mon fils a fait, putain, ton de presse. Il dit, mais tu ne le connais pas, hein? Il est dangereux. Ma maman a dit, mais dangereux comment? Moi, bon, d'accord, la 97, partie là, oui, bon, d'accord, ok, la maman bon, va parler. Là, c'est pas, voilà, voilà. C'est hein? Le côté de la maman, ça. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça, il m'a pris pour venir. Bon, c'est là, il m'a pris maintenant. Je voulais expliquer ce qu'il m'a fait devant les gens. Parce que le maman a dit non, il ne faut pas expliquer, viens, on va rentrer dans le. Quand j'ai fini d'expliquer, elle dit non, allons à l'hôpital. Parce que si tu restes là, tu meurs. Ça, là, il n'y a pas témoin. C'est ainsi que je suis venu à l'hôpital. C'est là, il m'a pris. On va te mettre au processus de lit, comme ça, charger les choses sur moi. Comme ça, ça y est, la joie, voilà. C'est comme ça, le village est debout. Le village est debout. Il dit que, mais c'est pas possible. Depuis, ça allait, depuis 97, on est avec lui ici, on n'a jamais séparé son palais. On n'a pas pu, il n'a jamais allé à la sécurité un jour, ni à la gendarmerie. Alors que lui, ce monsieur, il est menteur. C'est comme ça, ici, c'est comme ça, le problème est parti. Les vrais hommes, mais personne ne s'est dit. Il est parti. Bon, les restes là, bon. Moi, c'est qui je veux, hein. Voilà. Parce que j'étais attaché. J'étais attaché. Même pendant ce temps, quand j'ai chassé le sous-préfet, il est parti. Tout ça, j'étais poussé à l'hôpital. J'ai fait plusieurs jours à l'hôpital. Voilà, c'est comme ça. Merci, ouais. Merci, mon général. Oui. Il avait un rasoir aussi. Il a sauté le rasoir, il a rasé mes poils. Il dit, je vais te rendre fou. Et il a mis ça dans sa chaise. Aujourd'hui, il est parti avec. D'accord. Ouais. Il a rasé ici, et puis en bas, poil, tout ça, il a rasé. Il a pris, il est parti avec. Il a pris, il est parti avec. Je viens pas. On a demandé de partir. Mes potables, mes poils, tout ça, c'est parti avec. D'accord. Et présentement, où je suis là, si je vous ai dit que je peux marcher même à 200 mètres, même comme ça, sans m'abaisser comme ça, ou sans m'asseoir, je ne peux pas. Moi, je suis Madame Emma Colette. Sage-femme à la retraite à Yokobo. J'ai entendu des cris. Et puis j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Le premier sous-préfet, là, il est venu, il n'a même pas duré, il est mort. C'est là, parti, on nous a envoyé un. Est-ce qu'il se passe pas? Le sous-préfet n'a pas un problème là-bas. Donc, je me suis levé, je suis allé vers la maison, j'ai vu positionner un FSI. Il a dit bonjour, monsieur. Il dit bonjour. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dedans? Il dit, madame, il ne se passe rien. C'est pas votre affaire, partez. Et puis, on entend des cris. J'ai dit, mais j'entends des cris. Il ne se passe rien, comment? J'ai un frère, j'ai mon fils là-bas. Hein. Il dit, madame, j'ai dit, il n'y a rien. Je n'ai rien dit. J'étais là, les cris persistaient. Je suis quitté là. Je n'avais pas mon portable. Je suis venu prendre mon portable. J'ai le numéro du sous-préfet. Je l'ai appelé. Bonjour, commandant. Il dit bonjour, maman. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Il y a des cris là-bas. Il dit, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de cris, il n'y a rien. J'ai dit, quoi? Il y a mon fils là-bas, hein? Je n'ai rien dit. Il dit, non, il n'y a rien. Et j'étais pas tranquille. Maintenant, je suis allé vers l'hôpital. Et vers l'hôpital ici, là même, à la rentrée, parce que quand on vient comme ça, il y a l'hôpital du sous-préfet, la résidence du sous-préfet. Je venais, et puis il y avait des élèves ici, là, c'est une école catholique. Il y a un de mes petit-fils là, ça veut dire le petit-fils de mon mari, il me dit, mémé, c'est Salifou, il a sauté la clôture, il est nu, il est tombé ici. Le monsieur là, l'a tiré pour rentrer là-bas. J'ai dit, tu dis quoi? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, monsieur, je vais rentrer. Le monsieur que tu as tiré pour rentrer là, c'est mon fils. Je vais rentrer pour voir ce qui se passe là-bas. Il me dit, madame, rien ne se passe ici. Vous ne rentrez pas. J'ai dit, mais pourquoi? Je rappelle le sous-préfet encore. Je lui dis, mon commandant, tu fais quoi, Salifou? Les enfants me disent que Salifou a sauté la clôture pour tomber tout nu à poil. Qu'est-ce qui se passe?
Et puis tu ne peux pas m'appeler pour me dire. Tu ne sais pas que c'est mon enfant, commandant. Tu parles à moi, non? Il dit, je dis, il n'y a rien. Je ne peux pas m'asseoir. Je me suis retournée, aller passer dans la cour de l'autre côté. Je dis, monsieur, l'autre chose qui est là-bas. FSI, je dis, monsieur. Le monsieur qui crie là, c'est mon fils. Je vais rentrer. Il dit, madame, si vous ne quittez pas ici, là, vous aurez affaire à moi. C'est comme ça que j'ai commencé à crier, Seigneur, venez à mon secours. Village, venez. Ce que je n'ai jamais vu là, c'est ce qui est en train de se... J'ai commencé à pleurer. Et tout le quartier est sorti. Quand ils sont sortis, tout le monde a commencé à pleurer. En temps, avant même que je ne quitte ici pour aller, j'ai appelé le chef du village, qui est résident. Lui, c'est le chef adjoint. Il est résident, c'est le neveu même de mon mari. J'ai appelé le chef de Mené, qui est chose, comme on a le président des collectifs des chefs. Je l'ai appelé. J'ai dit, venez à mon secours, il y a quelque chose qui se passe à la résidence ici. J'ai appelé chef malien, parce qu'on dit c'est lui qui allait prendre les dozos. J'ai dit, c'est toi qui allais prendre les dozos pour venir tuer Salifou. Et puis j'ai dit, venez à mon secours, je ne comprends rien. Le chef, comment on appelle chef de collectif des chefs, président des collectifs des chefs, il dit, maman, je suis à la sous-préfecture ici. J'ai dit, viens rapidement, chose, à la résidence. Et en même temps, le chef résident de Yokobo, là aussi, il est venu, on s'est croisé. Et le chef malien aussi, il est venu. Lui, d'abord, on était là avec les deux chefs. Le chef des présidents des collectifs a appelé le sous-préfet pour dire que nous, on veut rentrer là-bas. Les militaires là, disent de ne pas rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, qu'il n'y a rien. Attendez-moi. Je vais venir vous trouver. Et puis le chef malien est venu. Il est rentré. Quand il est rentré, comme il a vu que tout le monde pleurait, le sous-préfet lui-même, il est sorti. Quand il est sorti, il est venu vers moi. Et puis il me dit, mais maman, tu me déçois. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pleures pour que tout cela vienne? Hein? Je suis ton fils, non? Mon fils, Seigneur. C'est ça, j'ai dit. Tu es mon fils, Salifou aussi est mon fils. Mais si je suis ton fils, là, s'il t'a fait quelque chose, donc c'est ton petit frère. S'il t'a fait quelque chose là, est-ce que tu m'as informé de ce qu'il a fait pour que tu agis comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Des trucs comme ça. C'est ça que j'ai dit. Si tu ne sors pas Salifou d'ici là, peut-être tu vas me tuer avec lui. C'est là qu'il a dit, le chef, le président des chefs là a dit, maman, il faut partir à la maison, tu as assez crié. Moi, je ne souhaiterais pas que tu tombes ici avec, à cause de l'hypertension. C'est là qu'il est rentré avec le président des collectifs des chefs. Ils sont sortis à un Salif. Moi, quand j'étais à la maison, tous ceux qui ont pleuré à moi, mais ils m'ont accompagné à la maison, on était assis là. Et puis, quand le président des collectifs des chefs allait prendre Salif, il venait, le sous-préfet même, il les a suivis. Il est venu à la maison. Quand il m'a vu net, lui, il a éclaté en sanglots. Moi-même, j'ai pleuré. Et puis, il m'a dit, le sous-préfet m'a dit, maman, il ne faut pas l'écouter. C'est un comédien. Je lui ai rien fait. Je lui ai rien fait. Il a fait habiller. Il a porté son pantalon, sa chemise. On ne voyait pas trop. C'est un comédien, je lui ai rien fait, il pleure pour rien. Le conseiller est donné à soi. J'ai dit au président des collectifs, je lui ai dit, chef, demande à sous-préfet, qu'est-ce que Salifou lui a fait et puis il a agit comme ça. Il dit non, il n'y a rien, je lui ai rien fait même. Rien ne s'est passé, c'est un comédien, il pleure pour rien. Des trucs comme ça. C'est là, le chef de Mena a dit, bon, comme tu dis qu'il n'a rien fait, je suis allé le prendre, de l'amener chez sa maman. Toi, lève-toi, tu vas aller à la maison.
lève-toi, tu vas aller chez toi. Et puis lui, il dit non, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. On était entouré. Et puis j'ai dit, ça lui faut. C'est pas la peine de parler. Faut laisser. Faut laisser. Et puis, il était assis. Et puis le chef, président des collectifs, dit, commandant, lève-toi, on va t'accompagner chez toi. Il a accompagné. Quand il a accompagné, j'ai fait rentrer Salifou au salon parce qu'il y avait plein de monde au dehors. Heureusement pour moi. Peut-être s'il avait expliqué, ils allaient tomber sur lui, le tuer même. Peut-être c'est aujourd'hui, c'est nous-mêmes, on allait mettre en prison. Heureusement, Dieu m'a inspiré. Et puis je lui ai dit, il ne faut rien dire. Quand je suis rentré avec lui au salon, quand il s'est déshabillé là, et puis moi-même, j'ai tremblé comme ça. Et puis il me dit, maman, il m'a fait voir quelque chose. Et puis il m'a purgé à un médicament, je ne sais pas quel médicament c'est. J'étais avec les deux chefs là, et puis j'ai dit que, trêve de bavardage, lève-toi, allons à l'hôpital. Peut-être tu seras en train d'expliquer, tu vas tomber pour mourir. Quelle preuve on a? Donc allons à l'hôpital. C'est comme ça, on est sorti. On alla à l'hôpital. Devant l'hôpital, à l'hôpital là-bas, l'infirmier qui était là, quand il s'est déshabillé comme ça, là, quand la population a vu, en même temps, sitting devant sa résidence, ils ont commencé à crier. Ils voulaient. Non, ça a chauffé le jour là. De 8h30 jusqu'à ça, à 20h, les militaires sont venus l'enlever même. Ceux de Daou n'ont pas pu. Guitry n'a pas pu. C'est les gens de Divo avec des choses. Protège, ils se sont voilà. C'est eux qui ont tout le village, même les villages environnants, ils étaient en sitting. Ils allument le feu, même ils veulent brûler la maison, ils disent ça fait rien, ils vont cotiser pour reconstruire. Les neveux de mon mari qui étaient là, comme c'est sa maison, ils éteignent le feu, pardonnez, ne faites pas ça. Pardonnez, mais s'il avait eu la pété, ils allaient le manger cru. C'est comme ça. À 20h, les gens là sont venus. En tout cas, ils ont fait avec stratégie pour pouvoir l'enlever, mettre dans leur véhicule. Ils n'ont même pas vu dedans. Quand ils l'ont mis dedans, ils démarraient même. Ils ont, on dirait, ils ont su qu'il était dans la voiture. Ils ont allumé le feu même pour jeter dans la voiture. Ils l'ont expliqué. C'est comme ça. Chose. Et il était à l'hôpital. Je crois 3 jours. En tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui ont défilé. C'était une affaire même nationale. Les séquelles de puce. Tout le dos là. On avait filmé, non? Oh ouais. J'ai les images, il y a la photo. Oui, trace des chicotes là. Partout. Nous, il a pris bas de fait brûler les testicules. Tout ça là. Depuis ça là, lui-même, il dit que ça n'allait pas tout. Nous avons porté plainte, la victime, on l'a accompagnée au tribunal de Divo, puisqu'on a repris un certificat médical ici, et nous avons porté plainte au tribunal de Divo en bonne et due forme. Une plainte déposée par la victime elle-même, mais jusqu'à aujourd'hui, la plainte est restée sans suite. Dans la même année 2020. Je vous dis, dans la même année, dans le même mois même. Le 23, le 23 décembre. Oui. Non, pas non, décembre, c'est en janvier ça s'est passé. La plainte, on allait déposer à Divo. Bon, après, on va vous donner la décharge même là. Puis aller voir la date à laquelle puis ils ont déchargé sur la copie. La décharge est là. Jusqu'aujourd'hui, le tribunal n'a pas réagi. Le tribunal n'a pas réagi. Le ministère même n'a pas réagi. Le ministère n'a jamais fait même une délégation pour venir assister le camarade. C'est lui-même qui se débrouille pour acheter ses ordonnances. Où je vous parle aujourd'hui, là, le camarade a son salaire suspendu. Un genre de maison, il est comme un contractuel. Hein. Quand son salaire est suspendu, ça veut dire qu'il est radié. Et le sous-préfet en question continue de percevoir son salaire. C'est vrai qu'il n'est pas sur le terrain en train de travailler, mais il perçoit son salaire. Puisqu'il n'a pas été radié du corps. Voilà, et ce sont ces gens de sanctions légères qui encouragent les autres. Aujourd'hui, il y a un cas récent à Bono, où le préfet de Bono a porté main à sa collaboratrice, qui n'est qu'une femme d'ailleurs. Alors que la violence basée sur les gens est interdite et c'est puni par la loi. Alors, nous interpellons les autorités du ministère de l'Intérieur, surtout Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Vagondo Diomandé, vraiment de se pencher sur cette situation et que cela prenne fin.
Parce qu'une fois, on dit que ce n'est pas coutume, mais il y a plusieurs cas que nous avons cités plus haut. J'ai parlé du chef de cabinet qui a été giflé par le préfet de Tabo d'alors, qui est toujours préfet actuellement à Niakara. Le préfet de d'Agboville, qui est toujours préfet des régions, il est en poste. Bon, quand c'est comme ça, mais les gens n'ont plus peur de frapper. Les gens n'ont plus peur de porter main à leurs collaborateurs. Donc, nous attendons une sanction à la hauteur de l'acte posé par le préfet de Bono surtout. Je voulais dire merci à ACI, surtout à sa présidente Edith Michelic Balé, même vers le syndicat des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire pour s'enquérir des réalités. Salut. Est-ce que quand ça s'est passé là, il y a des gens qui sont venus t'aider? Et le ministère même, là, est-ce qu'ils ont envoyé quelqu'un pour t'aider? Non, personnellement, militaire, personne n'est venu. Personne n'est venu au militaire. Il y a le conseil juridique de l'ambassade qui est venu. Puis il y a le conseil juridique des consulats qui est venu. Malé aussi a envoyé quelqu'un. Il y a le commandement supérieur de la gendarmerie envoyé. Il y a le droit de l'homme aussi qui était là. Il y a aussi... Quel droit de l'homme? CNDH. Bon, c'est que si c'est présenté comme droit de l'homme, hein, je ne sais pas, voilà. C'est présenté comme droit de l'homme, je ne sais pas, voilà. Si elles sont venues, et puis il y a le président, le chef coutumier, là, comme on appelle, voilà. Toutes celles sont venues. Bon, c'est qui est venu dit, bon, il y a qu'on prend 10 000 francs, tu vas payer ton médicament, mais je dépasse même moi-même de faire là. La maman m'a accompagné à Dabou pour aller faire tous les examens, pour voir, tout ça là-même, c'est écouté. Voilà, donc bon, tout est pili commandé là, tout est rentré là-bas. Voilà, donc après ça, malade, même c'est revenu, bon, je ne me sens pas bien, donc je continue à me soigner, c'est avec moi, mes propres moyens. Sans travail. Voilà, bon. Je me débrouille comme ça pour me soigner. Des fois même, je m'avais payé pour me faire mal à la vie, parce que je n'ai pas l'argent pour aller payer. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Comme ça, je me suis allé là-bas, parce que mon salaire est suspendu depuis le mois de novembre. En novembre 2022. Voilà. D'accord, c'est ok. C'est là, je me débrouille comme ça pour me soigner, pour manger tout ça là-bas. C'est ça. Vous avez tous entendu les témoignages de Salif, de son responsable syndical et de la maman qui le soutient depuis ce drame. Ce que nous voulons dire, c'est que vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant qu'une autorité se transforme en tortionnaire et ne prenne pas ses responsabilités. C'est écœurant que le ministère de l'Intérieur, qui est aussi qualifié ministère de la Sécurité, c'est-à-dire qu'ils doivent s'occuper de la sécurité des citoyens. Et c'est là-bas même qu'on encourage les gens à torturer d'autres citoyens. Parce que si on n'encourageait pas, normalement, ce sous-préfet-là, il devait être radié, il devait être en prison. Parce que ce qu'il a fait, là, on ne fait pas ça. S'il avait pu même, il aurait tué le monsieur. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a 4 ans de la retraite, qui, à cause des mauvais traitements, ne peut plus travailler, on coupe son salaire. Si encore même, il continuait de percevoir son salaire, c'était encore un petit soulagement. Il n'a plus de travail, il n'a pas les capacités de travailler, on ne l'a pas dédommagé. La justice ivoirienne, qui est devenue le centre même de toutes les injustices, n'a pas donné suite à sa plainte. Donc nous sommes dans un pays où nous sommes dans une insécurité totale. Celui qui a une petite parcelle de pouvoir, il abuse des autres et puis il n'y a rien, comme on dit. Mais cette affaire de Salif là, on ne va pas laisser ça comme ça. Ce sur quoi nous voulons revenir et que peut-être vous n'avez pas bien saisi, c'est que ce sous-préfet qui a commis ce forfait-là, il fait partie des gens qui n'ont pas fait l'ENA, qui ont été dans la rébellion et qu'on a bombardé à des postes. Parce que ça là, c'est l'une des conséquences des gens avec qui on fait du favoritisme et qu'on met à des postes alors qu'ils n'en ont pas les capacités. Donc en réalité, dans le fond, il n'a pas l'esprit de l'administrateur. Et donc, il a commis tous ces forfaits-là par rapport à ce qu'il est, un chef rebelle. Et c'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'assume. C'est ça. Il dit qu'il a fait la guerre, il était à Katiola, il était chef rebelle là-bas. Et c'est quelqu'un comme ça qu'on vient mettre administrateur. Voilà
ce que ça donne en termes d'insécurité pour ceux qui l'administrent. Un vrai sous-préfet là, qui travaille avec les services de l'État, la police, la gendarmerie, les dozos là, c'est pas un corps de l'État. Donc c'est un rebelle seul qui peut faire des choses comme ça. En tout cas. Nous voulons lancer un appel à toutes les organisations qui se disent organisations des droits de l'homme là. Voilà quelqu'un qui a été torturé, qui n'a pas été indemnisé. Voilà quelqu'un qui a torturé et que l'administration protège. Voilà ce que la justice ivoirienne a comme attitude face à un cas qui se passe de tout équivoque, de tout commentaire, un cas avéré. Nous voulons donc lancer un appel à tous ceux qui ont été sensibles, qui sont sensibles au cas de Salif, pour l'aider à faire des examens approfondis. Parce qu'on ne sait même pas avec quoi on l'a purgé. On ne sait pas quelle substance il a bu, qui fait que sa santé est toujours précaire. Aujourd'hui, il ne peut pas travailler. La justice ivoirienne ne veut pas lui faire de droit. Et là, là, il faut qu'il ait une activité. Il est à 4 ans de la retraite, on a déjà bloqué son salaire. Donc, ceux qui ont les moyens, là, pardonner, donner les moyens à Salif d'avoir une vie décente. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on ne va pas laisser cette affaire comme ça.